Monsieur le Président, Madame la Haute Commissaire Adjointe, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Délégués. Ça fait un peu plus d'un an que la Russie a déclenché et mène sa guerre d'agression illégale, injustifiée et injustifiable contre l'Ukraine. La Russie viole la Charte des Nations Unies, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, de manière éhontée. Elle viole systématiquement le droit international humanitaire et les droits de l'homme. Elle inflige d'indicibles souffrances au peuple ukrainien. Exactions massives et généralisées contre des civils, tueries, viols de masse, attaques délibérées contre des hôpitaux, des écoles, des maternités, déplacements forcés de populations, déportations d'enfants. Les responsables de ces crimes de guerre et crimes contre l'humanité devront rendre des comptes. Nous n'avons de cesse de le répéter, il n'y a pas de paix durable sans justice. Cette justice, nous la devons aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens, et nous la devons aussi à nous-mêmes, parce qu'il n'y a pas d'humanité sans respect des droits de l'homme. Nous soutenons donc la Cour pénale internationale, les juridictions ukrainiennes compétentes et la commission d'enquête mise en place par ce Conseil. Nous le déplorons, des exactions russes sont également commises ailleurs dans le monde. C'est le cas au Mali, où les mercenaires de Wagner s'en prennent aux civils, comme la MINUSMA et bien d'autres ont pu l'établir. Cela fait bientôt 75 ans qu'a été signée à Paris la Déclaration universelle des droits de l'homme pour que les atrocités de la Seconde Guerre mondiale ne se répètent jamais. La commémorer, c'est répéter sans fléchir un appel à respecter partout la dignité humaine. Nous ne pouvons pas nous résigner, nous ne pouvons pas nous censurer. Il faut agir, avec en mémoire les crimes du passé. Les droits de l'homme sont universels et indivisibles parce qu'ils sont le fondement même de notre humanité. Ils sont le socle de l'égale dignité de la personne humaine. Et les États se sont engagés à respecter et à faire respecter ces droits. Or, les régimes autoritaires ne s'y résolvent pas, ils les bafouent, ils oppriment les libertés et méprisent l'égalité. C'est le cas en Iran, où la répression contre les défenseurs de la liberté, qui frappe particulièrement les femmes, doit cesser. Les Iraniennes et les Iraniens ont le droit à la liberté et à la justice. Je souhaite rendre hommage à leur bravoure. Je pense à Mahsa Amini et à toutes les femmes iraniennes qui défendent la liberté. Avec mes collègues européens, nous avons adopté déjà 5 trains de sanctions contre les responsables de ces crimes. Et ce Conseil ne peut pas non plus accepter la politique d'otage d'État pratiquée par l'Iran. Les autorités iraniennes doivent libérer sans plus de délai tous les ressortissants étrangers et mettre fin à ces honteux chantages. Le non-respect des droits universels, c'est aussi ce qui se passe en Afghanistan, où les talibans pratiquent une politique de ségrégation contre les femmes et les filles. Elles sont progressivement chassées de la vie et des espaces publics, hors de l'école, hors des universités, hors de l'économie, hors même des actions humanitaires qui bénéficient pourtant à la population afghane. Ces violations systématiques vont au-delà de la très grande privation de liberté, au-delà du contrôle social. Les femmes et les filles afghanes sont, par obscurantisme, confinées à l'obscurité. Monsieur le Président, l'intolérable prend racine dans l'intolérance. C'est pour cela que la France ne transigera jamais dans sa défense de l'égalité et des libertés. Nous tous, au Conseil et au-delà, devons agir résolument. Cette action, nous souhaitons continuer de la porter au Conseil des droits de l'homme, auquel la France est candidate pour le mandat 2024-2026. Candidate pour agir, et avec un solide bilan à défendre. Pour le prochain mandat, nous proposerons à nos partenaires de poursuivre ensemble une ambition, celle de sociétés plus justes, plus libres et plus équitables. Nous sommes à l'œuvre pour défendre sans concession l'égalité et les libertés. L'égalité entre les femmes et les hommes et la liberté des femmes d'abord. Les femmes doivent faire valoir partout leur droit, celui d'être traitées sur un pied d'égalité avec les hommes, d'avoir accès aux processus de décision, publics et privés, celui de vivre, travailler, se mouvoir à l'abri des violences sexuelles et sexistes,
celui de pleinement et librement disposer de leur corps et donc d'accéder à la santé et aux droits sexuels et reproductifs. Nous continuons de mener campagne pour l'universalisation de la Convention d'Istanbul et je veux ici rendre hommage aux femmes qui risquent leur vie pour la liberté. Je réunirai plusieurs d'entre elles à Paris à l'occasion du 8 mars. Notre défense de l'égalité, c'est aussi celle des droits des personnes LGBT+. Je lance un appel à la dépénalisation immédiate et complète de l'homosexualité. Nous continuerons bien sûr notre combat pour l'abolition universelle de la peine de mort, en tout lieu et en toutes circonstances. Les droits que nous défendons, c'est aussi le droit à une information libre et de qualité. Vous connaissez le rôle joué par la France pour la protection des journalistes, pour la liberté de la presse et pour une information plurielle et fiable. Avec 50 États, nous avons lancé le partenariat pour l'information et la démocratie. Nous accueillerons à Paris le Fonds international pour les médias d'intérêt public, cofondé par la prix Nobel Maria Ressa, qui permettra aux médias de